cette notion que l'on a de l'infini, comment on l'aborde, c'est la chose la plus complexe qui puisse être donnée à l'homme. Parce que quand l'homme commence à penser à l'infini, alors la pensée l'embarque. Parce que la pensée ne peut pas aller là où rien de ce qui est matériel peut exister. L'infini, ça veut dire sans fin, ni commencement, ni fin. C'est une conception qui est complètement erronée de notre activité journalière. Si tu veux comprendre l'infini, est-ce que tu peux diviser l'infini en morceaux pour pouvoir la comprendre? Alors diviser l'infini, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infini alors. Il y a des morceaux, et après un autre morceau, et un autre morceau. Et si l'infini n'était qu'un seul tout, sans possibilité de le dissocier, parce que autrement, tu vas toujours être en train de chercher à comprendre. L'infini ne se divise pas. C'est logique. C'est quelque chose d'immense. Là-dedans, il n'y a pas de division. C'est un seul bloc, un seul tout. C'est pour ça que quand nous vivons, nous, dans la séparation de ce que nous avons comme le temps c'est la séparation entre hier et aujourd'hui et demain. Donc là, il y a une distorsion de ce que l'éternité peut être. Parce que tu ne vois pas le tout. Tu ne vois que des morceaux, des brides de ce qu'il y a. Donc, l'infini, c'est quelque chose qu'il faut aborder avec beaucoup de calme. Parce que si c'est ta tête qui propose la solution à l'infini, tu vas t'égarer parce que tout ce que tu sais faire, ce que l'homme sait faire, c'est de séparer. On sépare tout. On divise tout. Et comme l'éternité ne peut pas être divisée, alors il y a confusion. Tout un amas de fragmentation est là. Et ça, ce sont nos pensées. Nos pensées à disséquer tout pour pouvoir comprendre, pour pouvoir justement prendre la chose et puis savoir ce que c'est. Mais quand tu fais ça, tu es embrigadé dans toutes sortes de choses qui passent du coq à l'âne. Et le tout n'est pas compris. Parce que le tout ne peut pas être regardé par ce que tu te proposes, par la signification que tu donnes aux choses. Sera toujours en rivalité avec l'autre compréhension. Parce que la compréhension totale n'a pas de division dedans. Tout est un seul tout. Là-dedans, on n'a pas divisé entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Tout est là. La tendance que nous avons, c'est de vouloir diviser. Et nos esprits sont divisés comme ça. Entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est agréable ou pas agréable. Et donc, on a cassé un processus, si tu veux, en nous, qui est harmonieux, qui est ordonné, en quelque chose de désordonné. Il n'y a pas l'ordre qui inspire
le tout à être ce que c'est. Le tout ne peut être que ce que c'est. Mais ce qu'il y a que tu as vu, ce sont des choses que la pensée a fabriquées. Donc tu dis ça, c'est un Américain, ça c'est un Chinois, ça c'est un Malbar. En fait, ce que tu fais, tu divises toutes les choses qui sont dans le tout et tu fais des morceaux. Donc ça fait qu'il y a différence, il y a division, il y a des choses qui se passent qui ne sont plus compréhensibles. Parce que chacun va s'identifier à sa compréhension et cette compréhension va être celle de l'individu qui est lui et qui regarde les choses de cette manière, qui regarde les choses de manière divisée, avec ma maison, ma voiture, mon argent, ma fille, mon garçon, ma femme. Donc pour lui, tout est divisé. Il ne sait pas regarder dans un seul ensemble, le tout. Parce que le tout, justement, c'est contre la logique de notre société. Le monde s'est divisé au fil des ans avec tout ce qu'on a pu conclure. Et chaque conclusion, c'est un morceau de l'univers. Et chaque conclusion se sont disloquées les unes des autres pour en faire un amas de confusion. Donc quand tu vis comme ça dans la confusion avec toutes sortes d'idées, toutes sortes de projections qui te dictent ce qu'il y a, alors tu es très confus parce que c'est la vision de l'intellect. C'est comme ça que nous les humains on perçoit l'éternité. Parce que cet intellect, il faut qu'il divise pour pouvoir essayer de comprendre ce qu'il y a. Donc, cet intellect, justement, ce sont nos pensées. Ce sont nos activités journalières qui fait que nous poursuivons la vie avec une ambition qu'il y a quelque chose à gagner pour pouvoir être bien. Parce qu'en fait, ce que nous voulons, c'est la paix, c'est l'ordre, c'est l'harmonie. Donc, on passe notre temps à essayer de réunir tout ce qu'on a divisé pour pouvoir en faire qu'un seul. Mais la pensée, elle est, si tu veux, elle a ce pignon sur rue. Parce que c'est elle qui dicte comment tu dois te comporter, comment tu dois faire pour pouvoir y arriver. Donc, il y a en chacun d'entre nous cette peur de ne pas y arriver parce qu'on s'est identifié à la pensée. La pensée, c'est le passé, c'est la fragmentation de tout ce qui est, et la pensée habite dans l'homme. L'homme véhicule la division. L'homme véhicule son passé, et dans son passé, il y a des histoires. Les histoires sont divisées les unes des autres, et ne font pas un seul tout. Donc l'éternité est quelque chose de complètement incompréhensible à la vue de ce que le personnage propose. Le personnage, lui, il sera toujours en quête pour pouvoir essayer de faire que le puzzle soit compréhensible. Donc nous voulons comprendre l'éternité, nous voulons comprendre le cosmos, nous voulons comprendre tout ça. Et nous faisons toutes sortes de choses pour y arriver. Et en fait, quand nous faisons toutes ces choses-là, on s'aperçoit que on ne sait rien encore. Tout ce qu'on a appris se défie ce qu'il y a de nouveau. Donc, on se retrouve avec rien en fait, puisque c'est l'éternité qu'on essaye de mettre en place dans nos petits cerveaux. La petite tête que nous avons essaye de faire
un avec tout ce qui a été divisé. C'est l'élan de l'intellect. C'est ce que l'intellect propose. Et l'intellect ne pourra jamais y arriver. Parce que tout ce que tu es, c'est un seul ensemble. Et ça, l'intellect ne peut pas le voir non plus. Parce que ce que tu es, c'est un seul tout. La vie que tu mènes, c'est la vie de tout ce qui est vivable. Tu ne peux pas diviser ma vie de travail, ma vie de vacances, ma vie de quelque chose, ma vie avec toi, ma vie avec lui. Non, la vie ne peut pas être divisée. Partout où tu vas, il y a la vie, il y a l'éternité, il y a ce qui ne peut pas être dissocié. Donc si tu vis comme ça, en pensant que tout est divisé, alors tu vas avoir du mal avec la vie que tu te proposes, parce qu'il y en a une que tu vas vouloir et l'autre que tu vas la laisser de côté. Tu préféreras une que l'autre. Et en fait, là, tu crées la division en ton sein même. En ton sein, il y a la dualité de ce que tu penses que la vie devrait être et la vie elle-même. Donc, ils sont en dualité. Tu es en division, en fait. Dans la division de ce que le monde est. Parce que tu y as pensé, parce que tu as donné de la signification aux choses. Parce que tu veux atteindre quelque chose. Parce que tu veux mieux. Tu veux toujours quelque chose. Donc cette envie-là, c'est le fait que tu sois séparé et que tu ne sois plus un seul ensemble avec ce que la vie propose. Ce que tu es, c'est en fait, c'est l'essence même de l'univers. Et quand tu vois en toi les choses qui sont séparées, tu vois les choses qui sont bonnes et qui sont pas bonnes, qu'on t'a dit que c'est pas bon, on t'a dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc tu vois ces choses-là avec un œil séparé. Cet œil-là, c'est le centre égocentrique qui a tout divisé. Il dit ça c'est bien et ça c'est pas bien. Tu regardes ton égoïsme et tu dis ça c'est pas bien. Puisque je sais que c'est pas bien, puisque tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est pas bien, donc ça c'est pas bien. Tu fais une déduction, tu fais une conclusion. Et dans cette conclusion-là, tu es en rivalité avec ce que tu es et ce que tu aimerais être, parce que ce que tu aimerais être n'existe pas. C'est seulement ce qui est qui existe. Et ce qui est là. Et ce qui a là, c'est ton égoïsme, ta bonté. Tout ça, tu ne peux pas le diviser. Autrement, tu seras en dualité toi-même avec ce que tu te proposes de vivre. Et c'est pour ça que, pour la plupart, ce mouvement interne-là est très dans le mal-être, parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui cloche et qui clash avec ce mouvement qui est synchrone, cette beauté, cet ordre, cette perfection qui ne peut pas être séparée. Donc la pensée, quand tu penses que tu t'es identifié à la bonté, tu n'étais pas identifié à l'égoïsme, et l'égoïsme tu veux le mettre de côté, alors tu prônes seulement ce que le monde veut voir. Et le monde veut voir la division, ne veut pas voir le tout, et ne veut pas comprendre que tout ça, c'est un seul bloc, c'est un seul tout. Tu ne peux pas diviser le méchant du gentil et le riche du pauvre, le clochard du riche. Tout est un seul ensemble, indissociable. Nos esprits ont comparé, on a divisé. C'est pour ça qu'il est impossible pour le mental que tu es
de comprendre justement la complexité de l'ensemble qui fait qu'un seul tout et qui est indissociable et qui a toujours été indissociable. Rien, rien ne peut séparer cela. Nous pouvons croire que c'est séparable. Nous pouvons croire que nous vivons dans un monde où tout est séparé. Nous pouvons croire, mais cela n'est pas une réalité, c'est une illusion. L'illusion de ce que on aimerait faire exister, parce qu'on ne comprend pas le tout. Ce tout-là est presque impossible à la compréhension de celui qui pense, de celui qui vit dans l'identification des choses. Donc là, on est en train de proposer que ce que tu es, c'est un seul tout. Ce que tu es n'est pas divisible. Ce que tu es est tout ce qu'il y a. Le bien, le mal, le gentil, le vilain. Et tout ça, c'est un mouvement, tu vois, qui est synchrone. Tu ne peux pas le séparer. Dès que tu le sépares, il y a rivalité, il y a dualité. Et cette dualité crée le mal-être de ton être qui voudrait justement se réfugier pour quelque chose qui soit idéal. Donc, il va se trouver un réconfort pour pouvoir regarder la vie d'une autre manière. Mais ce ne sera pas la réalité qu'il va voir. Tu vas regarder ce que la pensée propose. Parce que la pensée a créé le désordre et il te propose, la même pensée qui crée le désordre, te propose de l'ordre. Et donc tu essayes de mettre tout en ordre. Tu essayes d'arranger, de contrôler. Et tu es tout le temps en train de faire ces activités-là dans ta vie pour pouvoir faire en sorte que tout ça soit rangé en ordre, que les choses soient agréables, que les choses ne soient pas séparées. Donc, on crée toutes sortes de choses dans le monde pour faire en sorte que nous puissions vivre dans cette connexion globale. Les Nations Unies ont créé des communautés où tout le monde essaye de faire en sorte que tout va bien. En fait, tout ça, c'est le leurre, l'idéal de ce que la pensée propose. Et ça va toujours être en rivalité, parce que la pensée est elle-même vecteur de tout le désordre. Donc avec le désordre, on a créé l'ordre, mais un ordre relatif qui n'a pas de réalité dedans. Ça fait que nous restons dans ce désordre. Nous ne savons pas ce que c'est le tout. Nous ne savons pas ce que c'est vivre en un seul tout. Être là, présent, avec tout ce qui se joue, sans qu'il y ait distorsion, sans qu'il y ait quelque chose qui puisse faire en sorte que les choses puissent être organisées, arrangées, pour pouvoir être au goût de ce que la pensée propose. Donc, ce regard vers l'infini, vers toi-même, ce regard en soi, quand tu vas en toi, ce que tu vas voir, c'est que là, il y a quelque chose qui ne peut pas être séparé. Peu importe ce que le monde raconte, ce que tu es, c'est ce que tu es, et non ce que le monde attend. Parce que depuis des millénaires et des millénaires, on a demandé à l'homme d'être ce que la norme exige. La conclusion de chacun d'entre nous exige que tu puisses te mouler à la conclusion d'un truc, d'une dictate, d'une compréhension, d'un statu quo. Et donc tu restes moulé à des schémas qui se sont fabriqués, mais ce sont des schémas qui, chaque schéma regarde midi à sa porte. Donc il n'y a pas de globalité, la compréhension de l'éternité n'est pas là. Cette compréhension du tout ne peut se faire que si la pensée se met en berne. Que si
Tu acceptes de ne plus voir la possibilité que tu sois divisé. Parce que la pensée, justement, quand elle voit les choses qui ne sont pas au goût de la norme établie, c'est-à-dire toutes ces conclusions, tous ces comportements stéréotypés qui puissent être sur cette planète pour qu'on puisse vivre dans cet ordre relatif, tout ça fait que tu es en fait désuni de ce que tu es. Tu t'es séparé de la grandeur du tout. Tu t'es séparé parce que tu t'es identifié à la pensée qui a séparé. La pensée a exigé que là, il y a un Américain, là, il y a un créole, là, il y a un homme, une femme, là, il y a toi, il y a moi. Tout ça, c'est de la division. Mais au-delà de tout ça, il y a une façon de regarder ces divisions de manière à ce que tout ne soit pas séparé. C'est-à-dire regarder la vie sans que la pensée intervienne. Est-ce que tu vois là, qu'est-ce que tu te proposes à toi? C'est-à-dire de voir ce que la vie elle est, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien, sans contrôler, sans pouvoir faire en sorte que tu puisses distordre les faits. Les faits sont distordus parce que tu veux, parce que tu attends quelque chose. Mais ce regard sans la pensée, c'est un regard qui est un seul tout et qui voit à partir de l'éternité, à partir de la globalité. Et cette globalité, c'est la seule chose qui est vraie. Tout le reste, c'est de l'illusion. Tout ce qui a été divisé ne peut pas l'être, ne peut pas exister. Mais elle existe parce que la pensée les a créés et la pensée les a matérialisés. Et en matérialisant tout ça, nous avons un monde de division. Il y a mon pays, ton pays, son pays, mes affaires, tes affaires. Et tout le monde vit dans la division. Parce qu'on ne sait pas qui on est. Parce que si tu savais vraiment que tu étais un seul ensemble, harmonieux, en paix, qui ne regarde pas dans la différence, qui ne compare pas, qui ne juge pas. Ça veut dire que là, tu es présent. Il y a une présence. Et cette présence, c'est la présence de ce que l'univers est. C'est-à-dire, c'est l'essence même de l'univers qui perçoit, il y a une perception au-dessus de toutes les différences. Et cette perception qui voit, elle met de l'ordre. Elle met de l'ordre dans tout ce qui est incongru. Automatiquement, quand la présence est là, quand il y a conscience que ce que tu es là n'est pas vrai, ce que tu es, c'est une division, c'est une anomalie de ce que la pensée a créé. Quand tu vois ça, automatiquement, il y a l'ordre. Parce que la vision qui voit le désordre, tout de suite, elle met de l'ordre. Parce que il n'y a que l'ordre qui existe. Aussitôt que tu as réalisé que ce qui est faux est là, tu vois tout de suite ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est l'ensemble, c'est le tout, c'est le un, rien d'indissociable, c'est infini, c'est l'infini qui ne peut pas être morcelé, fragmenté, qui est un seul tout. Cette compréhension-là, elle ne peut pas se faire quand la pensée, elle est là. C'est pour ça que
si tu peux voir la vie sans que tes pensées te proposent quelque chose, te proposent de réagir pour pouvoir faire en sorte que ce que tu vois pourrait être autre chose. Mais les faits sont là. Et si tu veux les changer, alors tu seras celui qui est dans l'action. Tu seras celui qui est en train de vouloir faire en sorte que la vie soit agréable pour ce que le personnage que tu es propose. Le personnage propose que son centre égocentrique, sa zone de confort, puisse exister parce que ce personnage ne peut pas exister ailleurs que dans cette enclave où il se donne une apparence. Il se donne d'être ce que le monde attend. Parce que le monde attend quoi? Attend de voir que les choses sont comme on a cru. Parce qu'on croit que le monde est divisé. Donc on te demande de devenir ce que tu dois être pour pouvoir être conforme à une norme établie que qui est vraiment dans le désordre, qui n'est pas la vie, qui n'est pas l'éternité, qui ne comprend pas l'éternité, qui comprend seulement des choses vraiment superficielles. Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a que la répétition de ce qui a été pour faire devenir ce qu'on aimerait être. Donc on est tout le temps en quête d'une vie. D'une vie qui sera celle de notre idéal. Une vie idéale. Mais cette vie, elle n'existe pas. C'est les élucubrations de la pensée qui proposent que on puisse arranger, on puisse organiser. Et dans cette activité d'organiser toute la cohue, toute la division qui a été faite par la pensée, eh ben, l'homme se perd. Parce qu'il ne sera jamais tranquille, parce que tout continue à être disloqué par ce que la pensée propose. Donc tu vas trouver une solution, certainement. Et cette solution, derrière elle, il y aura déjà encore plein de problèmes pour résoudre. Donc tu ne cesses jamais de vouloir arranger tout le chaos que toi-même as fait. C'est quand tu cesses de faire ça, quand il n'y a plus la pensée en demande de mieux, en demande de quelque chose qui devrait y avoir, que l'unité se fait naturellement. Parce que, en fait, tu n'es plus dans l'activité de celui qui veut arranger, contrôler. Parce que ce que tu es à ce moment-là, tu es le résultat déjà là de ce que l'éternité, elle est. Tu es l'éternité. Tu es la conscience vivante de ce que propose le tout. Tu es là. Tu es cette présence. Et cette présence, elle met de l'ordre. Et c'est seulement avec cette présence qu'il est possible de découvrir ce qu'est l'éternité. Parce que cette présence, c'est l'éternité. Donc, tu es une révélation de ce qu'il y a au-delà de toutes les différences, de tout ce qui a été catégorisé, arrangé, de tout ce qui a été différent des uns et des autres, tout ce qui a été comparé. Il n'y a plus tout ça. Alors qu'est-ce que tu es? Tu es quelque chose qui est en ordre, qui est la paix. Tu n'es plus en division en toi. Il n'y a plus cette dualité que tu vis. Tu vis une extrême bonté de tout ce qui est ensemble, parce qu'il n'y a rien qui souffre d'être divisé. Nous souffrons de la division,
Parce que notre vraie nature, c'est le tout. C'est l'éternité. Donc cette division installée par ce que nous avons voulu faire exister, parce que cette éternité étrange ne nous convenait pas, donc on a préféré s'identifier aux choses qu'on a attrapées dans le tout. On a divisé et on est devenu ce que on pense être bien. On a comparé et on a voulu être ce qui est valorisant. Donc, nous sommes dans l'apparence de ce que nous croyons être. Mais ce que tu es n'est pas l'apparence. Ce que tu es, c'est quelque chose de concret. Et ce qui est concret, c'est ce tout. Quand il n'y a plus en toi cette division, quand tu ne vois plus le monde dans la division, alors comment tu vois le monde? Tu vois le monde avec un grand amour. Il n'y a rien qui est divisé. Tu aimes tout ce qu'il y a. Tu ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Tu ne compares pas. Tu accueilles tout parce que le tout, c'est l'amour pur. Quand tout est uni, quand il n'y a pas de désordre, quand il n'y a pas de dislocation, quand il n'y a pas de différence, il y a l'amour. Le fait d'être là sans rien faire pour diviser crée une ambiance où il y a l'harmonie, il y a de la joie. On n'a plus besoin de créer des situations pour faire en sorte que tout aille mieux. Parce que là, tu reviens dans le personnage, dans la pensée, qui veut organiser. Qui veut organiser la vie de manière à ce qu'elle soit agréable. La pensée qui a créé le désordre te mène là où tu dois faire en sorte que tout soit arrangé, contrôlé. Et ça, c'est un enfer. L'intellect, le personnage, souffre parce que il n'y a rien qui est stable dans cette activité-là. Ce à quoi tu t'es identifié n'a rien de vrai. Parce que le tout, c'est la seule chose qui est. Quand tu divises, il y a raillerie. Il y a l'impression que je suis seul dans mon petit monde. Et dans ton petit monde, il y a cette solitude. Parce que tu crois que là, dans ce petit monde-là, tu es protégé de toute la cohue qui s'est construite autour de toi. Donc, ce que tu es devenu, crois qu'il a besoin de sécurité pour continuer à exister. Et ce que tu es devenu ne peut pas être ce que tu es. Ce que tu es, c'est un seul ensemble. Mais ce que tu es devenu, c'est toutes les fragmentations qui ont été données et tu as amassé pour toi ce que tu avais besoin pour exister dans l'allure que toutes ces choses te donnent. Tu existes dans l'allure de ce que tu as ramassé et cette chose que tu as ramassée te donne l'image de ce que tu es. Mais c'est une image. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est une présence. Et cette présence, c'est le tout. Une présence du tout qui est là. Et là, il y a juste l'harmonie, la présence de tout, qui n'est pas séparable. Tu ne peux pas séparer ça. Tu ne peux que acquiescer l'état d'un ordre absolu. Et ça, c'est ce que tu es. Et quand tu es cela, quand tu as capté que tu es ce témoin qui voit les choses de cette manière, alors toutes les choses
que nous connaissons dans cette vie qui a été divisée, toutes les railleries que nous avons s'extompent. On n'est plus face à la division parce que la division n'existe pas. Il n'y a que l'ensemble qui existe. Et tu es l'ensemble. Et quand tu es l'ensemble, tout le reste, toute l'illusion s'en va. Et c'est là que vient l'intelligence, l'amour, la joie. Et quand tu as cela, alors c'est toi qui crée en fait tes relations, le monde dans lequel tu vis. Et par le fait d'être cela, alors tu crées des changements dans la conscience elle-même. Parce que la conscience cesse de subir la division que la pensée propose. Ça veut dire que tu es libéré de la pensée, que tu vois la vie que dans un seul ensemble, où tu embrasses le tout comme un seul tout, sans division. Tout est aimé, il n'y a rien qui est mis de côté. La souffrance est acceptée. Tout est embrassé.